Bonjour ou bonsoir les gens, c'est Gorgorcillon qui vous parle en direct de la 9e partie de mon playthrough de The Secret World. Nous avions terminé une quête complètement galère avec le prêtre dans la dernière partie. Et j'espère que ce tournage se passera mieux que mon dernier de Batman Arkham Origins, que vous aurez probablement vu d'ici là, puisque c'est la 7e partie, hein, qui entre les bugs graphiques et les bugs sonores ne m'a rien épargné. Alors je viens de lancer la partie, je viens d'avoir un message à la con, et je pense que c'est un event d'Halloween. Alors je sais pas si je peux la zapper, parce qu'elle est mise d'office dans ma mission principale. Alors je vais essayer de récupérer la mission du prêtre, en espérant que ça me zappera cette mission dont j'ai rien à cirer. Sinon je suis vraiment dans la merde, et c'est vraiment pas mon jour. Donc j'espère que vous allez beaucoup mieux que moi, que ce playthrough continue de vous plaire, et on va voir si je peux prendre la quête. Elle annulera la mission en cours, donc ça va, je peux la prendre, c'est parti. Oui. Je retrouve dans vos yeux cette étincelle que me renvoie le miroir. Ah bon? Vous avez trouvé les voies, non? Comment était-ce? Comme une illumination? Êtes-vous éclairé? Sans ces déplorables circonstances et mon devoir envers Dieu, je vous suivrai pour consigner vos découvertes. Pourtant, il existe d'autres chemins. Plus bas, sous terre, mieux cachés. Tapez du pied sur tous les pavés de Main Street. Et l'écho vous renverra l'histoire des Illuminati. Oh oui, Solomon Priest et Isaac Fletcher ont fondé cette ville et l'ont façonnée ici et sous terre. À vrai dire, Solomon County est littéralement truffé de tunnels. Mais les gens ne semblent pas s'en apercevoir. Ils sont trop cloîtrés dans leur petite vie pour voir le monde secret qui les entoure. Et les portes. N'arrêtez pas. Je connais ce désir d'avancer. De creuser toujours un peu plus. Suivez vos sens, l'impatience qui anime votre cœur, les voix qui parlent à votre âme. Et cherchez, descendez. J'ai l'impression que ce prêtre est complètement timbré. Il est complètement timbré, le prêtre. Who are you? Erwin Kelius Nerevare. Putain, t'as un super fusil mitrailleur, quoi. La classe. Bon, je dois trouver l'entrée des tunnels des Illuminati. Bon, ça, je sais où il est. Il est pas trop difficile à se voir. Il faut juste avoir une bonne carte son. X pour le sprint. Donc là, on revient à l'hôtel de ville. Donc on est sur Main Street, en fait. Et c'est quelque part par ici. C'est normalement. Normalement, je devrais avoir un bruit. Ah, voilà. Bon, on l'entend pas très très fort, mais normalement il y a un bruit quand on passe ici, qui fait que c'est là qu'on doit aller. Allez, descends. Alors, objectif atteint, trouver l'entrée des tunnels des Illuminati. Alors, Clavis Aurea. Trouver le moyen d'ouvrir la trappe. Merci. Bon, cette partie-là, je m'en rappelle. Ça va être comme l'autre, je vais m'en rappeler jusqu'au moment où j'ai triché et où je ne me rappellerai pas. Voilà la clé qui se mouffe, tout simplement. Hop. C'est la clé que j'avais voulu attraper dans la dernière mission, qui me servait en fait à rien dans celle-là. Tiens, en parlant de ça, c'est cette horloge-là qui est censée vous indiquer le verset dans la Bible que vous devez chercher. Faut penser que c'est l'horloge qui est là, quoi. Est-ce que je veux descendre? Oui. Bon, j'espère que je vais moins galérer que la dernière fois, que je vais me rappeler à peu près de tout. Alors, explorer les tunnels. Là, il y a un passage. Oh.
mais... Ah, le livre. Alors, celui qui veut atteindre l'illumination doit jeter le geste à la pensée. Il montrera qu'il apprécie les efforts de ses semblables et agira tel le fidèle devant les symboles sacrés. Il fera preuve d'un grand mépris face aux ornements des anciens empires et protégera son regard des visions levées dans le chaos. Donc ça, je vais le garder dans un coin parce que je vais en avoir besoin plus tard. Et ça m'évitera de devoir revenir. Bon, on va aller par là, je crois. En premier. Sac. Ok, alors. Non, c'est pas ça, c'est ça que je veux faire. Je veux lire la plaque. Est-ce qu'il y aurait moyen de lire la plaque? Non. Ou alors c'est parce que j'ai le livre. Je vais obligé de fermer le livre pour lire la plaque. Ok. Oculus rara avis. Ok. Oculus. Il y a une virgule, oui. Rara avis. Et en essayant de ne pas avoir. Ah bah voilà. En latin, traduction anglais. Un œil et un oiseau rare. Donc un œil, l'œil des Illuminati. Et un oiseau rare, je suppose que c'est ça. Ça ressemble à un oiseau. Hein. Utiliser le cercueil. Ah, je dois d'abord. Attends, je n'arrive pas à cliquer dessus. Alors, rédigé en l'an de l'œil 1702 à Kingsmouth. D'aucuns pourraient y voir l'aveu de deux actes de lâcheté ainsi que d'un manque de foi en l'ordre illuminé. Et je veillerai donc à ce que cette missive, une fois écrite, accompagne mon propre cadavre dans la tombe. Mon temps sur cette terre touche à sa fin et il reste beaucoup à faire. Je veux parler de l'ordre et de notre tiers. Mais chaque chose en son temps. La dépouille de Solomon Priest a été déplacée selon mes instructions par des hommes fidèles qui lui ont préparé un nouveau lieu de repos dans les tunnels. Concernant ceci, je veux dire que mon idée était d'éviter que nos ennemis et consorts ne puissent trop en apprendre. La piste de sa nouvelle sépulture disparaîtra avec mes gens et moi-même, et tout pillard ou curieux qui voudra se frotter à ses pièges sans détenir le savoir illuminé y perdra la vie. C'est vachement rassurant. J'aimerais bien attraper ce truc-là. Voilà. Ouais, on va activer le levier, je sais plus ce que ça fait. Ah, ça ferme la porte, ok. Vachement utile. Tac tac. Par là, c'est la sortie. Je vais reprendre des symboles. Et je vais déverrouiller l'autre porte. Bon, jusque-là, ça va. Alors, hop. Alors, off Khufu, off de Grande Loge. De Khufu, de la Grande Loge. Donc la Grande Loge maçonnique et de Khufu. Ça doit être égyptien. Donc je suppose que c'est les deux que j'ai pas utilisés jusqu'ici. Non, c'est pas ça. Super précis. De Khufu. Ou alors c'est d'abord lui. Au pifomètre, on va faire l'oiseau. Non, bon, ben c'est elle. Allez, prends-le. Donc
c'est toi en premier. Ah, mais c'est parce que ça s'illumine pas en fait. Ok. Ça fait pas bip. Quand je mets là, ça fait pas bip. Ok. Gagne des pp. Qu'est-ce que je peux faire avec mes pp, moi? J'étais en train de débloquer les soins. Ce qui fait que je... il m'en manque encore un. Je vais aller rechercher le livre, parce que là, je vais vraiment en avoir besoin. C'est con qu'on peut rien ouvrir d'autre que ça. Ah merde, j'espère qu'il n'y a pas d'autres trucs à lire. Si, je vais avoir d'autres trucs à lire, donc il faudra que je revienne chercher le livre après. Oh. Faut pas que je triche. Oh, c'est classe ici. Bonjour monsieur. Ah, le tableau rappelle quelque chose. C'est lugubre. Alors, on va examiner la note perdue. Ouais, il veut pas l'ouvrir tant que j'ai ça. Bon, tant pis. Alors, pour procéder, adopter l'écriture d'un érudit, étudier les travaux de Jérôme au psaume qui suit huit mains aux premières ténèbres de sa huitième partie. Oh là là là. Bon. Travaux de Jérôme. Jérôme de Stridon. Début des travaux de Saint Jérôme. Saint Jérôme, introduction. À mon avis, ça doit être ça. Donc, adopter l'écriture d'un érudit. Étudier les travaux de Jérôme au psaume qui suit Wim. Œuvre de Saint Jérôme. Tableau des écrivains ecclésiastiques. Ah, voilà. Attends. Caput primum. Caput 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, ça c'est encore caput. Attends. 6, 7. C'est quoi? C'est caput ou c'est l'autre? 8. Marc. Donc, attends. Étudier les travaux de Jérôme au psaume qui suit Wim. Aux premières ténèbres de sa huitième partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Évêque? Ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, prima. Donc prima ou évêque. E, V. Il n'y a pas de si un Q, mais il n'y a qu'un seul E. Alors que prima, P, R. M et A. Oh, ça va être coton à faire ça. Quoi, faut que je... Oula, oula, oula. Non, c'est pas prima. Soin. Bon, c'était pas ça. Ça, c'est pas être évêque, y'a qu'un E. Non, attends, on va reprendre la note. Toujours compliqué ces missions. Donc, adopter l'écriture d'un érudit, étudier les travaux de Jérôme. Au psaume qui suit Wim. Ah, qui suit Wim. Attends. Travaux de, X. Travaux de Jérôme. Avec un accent circonflexe. Jérôme de Stridon. Saint Jérôme, attends, on va aller sur Wikipédia. Né en machin à la frontière entre la Pologne et la traducteur de la Bible, docteur de l'Église. Traducteur de la Bible. L'original du Tanakh, traduction en langue ancienne, traduction en langue moderne.
Donc je cherche une traduction de la Bible. Saint Jérôme écrivant. Enfant, spiritualité, œuvre historique, voilà. Œuvre historique et machin. Jérôme a d'abord traduit en latin les chrétiens, hein, l'étape chronologique qui constituait la deuxième partie de la chronique universelle. Donc ça serait ça que je cherche. Putain, c'est compliqué. Ça c'est pas tombé juste ce qu'il y a là sur Wikipédia, non. LX Olympe Hérodus. Putain, c'est quoi? Je comprends rien. Je sais même pas ce que je cherche en fait. Hein, c'est l'autre fragique, hein, est le livre sur les hommes illustres. Dont le titre et la structure sont potés, hein. Eusèbe, machin. Enfin, dans le mer, il y a trois vies de Sainte sa plume. Oui, donc ce que je cherche, c'est la chronique universelle, en fait. Chronique universelle. De Jérôme. Version française des chroniques de Zib de Saint Jérôme. Voilà. Waouh, putain, dans quoi est-ce que je suis là? Bibliothèque numérique Gallica. Go to Folio NP. Ouais, super. Ça, c'est la fin. Ok, il n'y a que des pages blanches. Je dois trouver quoi? Le 8e, c'est ça? Putain, comment est-ce que tu veux que j'arrive à lire là-dedans, quoi? Il n'y a pas une traduction plus claire, non? Bon, je sens que ça va être Solus, parce que... version française, donc ça c'est toujours un chien. Catalogue général des manuscrits. Gemac, mémoire vive. De Besançon. La datation dans les chroniques universelles. Étudier les travaux de Jérôme au psaume qui suit Win. Travaux de Jérôme. Attends, travaux de Jérôme. Psaume. Vous pouvez visiter le moine grâce à qui est Fissime de Psaume, Saint Jérôme, introduction, Psaume 73, Psaume 8. Est attribué à David. Étudier les travaux de Jérôme au Psaume. Saint Jérôme, Psaume de la Bible qui suit huit mains. Une main. Ah, c'est psaume 40. Oh putain. Qui suit? Donc psaume 41. Ok. Jérôme de Stridon. Saint Jérôme, psaume de la Bible. Qui suit? Oui, main. Ok. Donc en fait, je dois aller dans la Bible. Quand même. Bible. La chaîne de Bible en anglais, alors la Bible pour qu'ils me la mettent en français. Ok. Bon, je crois qu'il se fout de ma gueule. La Bible en français. Donc c'est 41. De Marc, oui, ça c'est correct. Et donc, aux premières ténèbres de sa 8e partie.
moi. Ça serait moi. M. Comment je vais pour aller sur le M là? Putain, faut sauter en plus. Non, c'est pas ça. Ouais. On va crever. Bon, c'est pas ça. Un, deux... Chapitre 1. Aux premières ténèbres de sa huitième partie. Moi, je vous ai baptisé tôt, lui, ça apprécie. Bon, ça commence à me casser les pieds. Ça fait 20 minutes que je bloque, ça suffit. C'est quel quoi que soif de connaissance. Allez hop, on va passer celle-là. Solution de la semaine, voilà. Non, c'est pas là. Solution soif de connaissance, voilà. On va essayer de pas aller trop vite. Donc ça, c'est trouver la clé. Ça, on l'a fait. Explorer les tunnels, ça on l'a fait, on a trouvé un bouquin, on a ouvert les portes, ça c'est très bien. Explorer les tunnels ici, voilà. Avant, si je suis au cœur de la pièce, vous trouvez une note pour accéder à un machin. Il s'agit donc de ne pas se tromper dans le déchiffrage de la note. Pour procéder, adopter l'écriture d'un érudit, vous devez utiliser les lettres gravées au sol. Oui, ça merci, j'avais compris. Étudier les travaux de Jérôme Opso, Saint Jérôme, psaume de la Bible, ok. Qui suit une main contenant ce qui suit 41, premier mot verset 8. C'est ce que j'ai fait, sauf que j'arrive à moi. Cherchez alors les correspondances de la Bible de la même manière que pour le code de Smith, Saint Jérôme au psaume 41. Abyssum, abyssum invocat, invoce cantarum tuarum, l'abîme appelle l'abîme au bruit de vos cataractes. Ça veut rien dire. Reproduisez le mot abyssus. Avec les lettres au sol pour résoudre cette énigme. Note pour doubler le S, sauter sur la dalle. Ah, donc en fait on pouvait doubler. Ok. Bon, je sais pas où ils ont vu Abyssus, mais c'est pas grave. A, B, S, S, U, S. Ça ouvre la porte. Bon, j'avais à peu près compris, sauf que j'ai pas trouvé dans la Bible où c'était, mais. Ok. Bon, énigme suivante. Examiner la note. Si l'on contrarie tes aspirations, ne pleure pas sur ton sort, mais sur celui de Dolandi. Bon, qui est Dolandi? Flow My Tears. Bon, je pense pas que c'est ça qui va m'aider beaucoup. Voilà, c'est ça dont je vais avoir besoin. Donc, ce qu'il me faut, c'est la partition. Full size image. Ah ben, elle est là au-dessus, en fait. Donc, non, c'est pas le bon morceau. Un autre. Ah, merci, ça c'est celui de Secret World, ça va beaucoup m'aider. Full size image. Ok. Ah, ben voilà. Donc, attends. Il faut trouver où c'est. Donc il y a une note avec un point. Puis il y a une double croche. Ah voilà. Une double. Non, c'est pas celui-là. Alors c'est peut-être pas celui. C'est peut-être pas le bon morceau. Regardez dans celui-là. Non, ça ressemble pas du tout.
Ouais, ça c'est quoi? Full size image. Parce qu'en plus il faut être musicien dans ce jeu. Dolandi, on a ça. Full size image. Ok, ça ressemble, mais ça ne m'aidera pas parce que c'est quoi? Harvard Edu. Si je pouvais savoir à quoi ça correspond, ça m'aiderait. Elle est où? Elle est là, c'est ça. De Sokultir motif. Ouais, c'est ça, c'est Flow My Tears. Mais pourquoi est-ce que sur celui-là. Ah, parce qu'en plus, il faut que je trouve le bon instrument. Oh là là là. Dolandi, Flow My Tears, Sheet Music. On va trouver. J'ai pas envie de tricher. Ah, voilà. Non, c'est pas ça. À chaque fois, ça commence bien. Tac, tac. Et après, là, il y a un problème. Tac, tac. Fais tourner la page. Tac, tac. Non. Tourne la page. Une note blanche avec d'autres qui suit derrière. Tourner la page. Tourner la page. Là, il y a une note, mais elles ne mettent pas. Celle-là non plus. Bordel, je suis encore au bout. Ça doit pas correspondre à quelque chose, c'est pas possible. Partition. Bon, en tout cas, c'est ça, parce que j'ai toujours le truc de Secret World qui vient m'embêter. Donc, full size image. Qui correspond dans les trucs que j'ai. Ah non, ça c'est un Ave Maria, ça n'a rien à voir. Tac tac. Et après ça correspond plus à chaque fois. J'ai les trois premières notes au début, mais après les trucs ne correspondent plus. Ouais, c'est celui que j'avais déjà tantôt aussi, ça. Bon, ben, décidément, j'arriverai. Je crois que j'arriverai pas à faire ces missions sans tricher, quoi. C'est impossible, quoi. En web, s'il te plaît. Je pense qu'à nouveau, hein, j'ai la bonne solution. C'est juste que je trouve pas les infos. Donc, ça c'est les lettres. Donc, reproduisez. À vos connaissances musicales, merci. Donc, puis face à vous se tiennent des orgues et des lèvres correspondant à des temps sur la plaque située entre les deux. Vous découvrez une partition endommagée. Voilà bien avancé. Qui était Dolandi? On apprendra que son vrai nom, John Doland, était un luthiste. En avançant un peu plus, vous découvrez que la pièce maîtresse, c'est Flow My Tears. Donc c'est bien ce que je dis, j'ai trouvé ce qu'il faut, sauf que j'ai pas. Les orgues possèdent ici la note anglophone, dont voici. Oh putain, il fallait. Ah oui, putain, c'est vrai que le jeu est anglais de base. C'est pour ça que je ne trouve pas ce qu'il me faut. Donc voici leur correspondance. Donc si vous ne bénéficiez pas d'une oreille très musicale, voici les notes à jouer. Oui, en plus on va faire ça parce que sinon on va jamais y arriver. A blanche. C'est quoi une blanche? A blanche, c'est quoi une blanche? E blanche pointée. Donc attends. A blanche. Ah oui, non, fallait que je l'active d'abord. Ok. Blanche. A. Non, c'est pas ça. Évidemment, c'était l'autre. Chance sur deux, fallait que je me plante.
ça c'était une noire en fait. Ok. Pardon. Attends, pourquoi il y a une... Attends, une... Ah ben, une blanche pointée, et là il y a une croche, je suis con. Donc, A blanche. Ça fait tut. Puis, je baisse ce levier là. Et je prends la blanche pointée. Pour faire un E. Ça fait tut. Et puis, c'est que du noir. Et c'est EGG. Ça refait tut. Ça fait bip. Et ça refait bip. Là, c'est chiant, hein, chaque fois j'ai le bon principe de l'énigme, mais je trouve pas l'info qui me permettrait de débloquer, quoi. Ah, et c'est là que je vais avoir besoin du livre. Bon, je suis obligé de tricher, hein, parce que comme vous voyez, je galère comme un beau diable. Si je veux pas que les épisodes durent une heure à chaque fois, voire plus, voilà. Vous voyez que je comprends les principes. C'est, voilà, je suis une quiche en recherche d'informations, c'est tout. Bon, alors là, c'est... Là, il faudra aussi penser qu'on est en anglais. Parce que là, je vois rien de ce que je fais. C'est, comme vous avez pu remarquer, hein, les énigmes de recherche sont particulièrement tordues. Hein, et si c'est les deux premières, hein, je ne sais même pas ce qui m'attend par la suite. Je ne sais plus si j'en ai encore une à refaire après. Je crois qu'il y en a une, mais c'est pas là. Donc, celui, il montrera qu'il apprécie les efforts de ses semblables. Donc les semblables, je suppose que c'est lui. Donc lui, je vais devoir applaudir. Bravo, c'est bien. Alors, après, il agira tel le fidèle devant les symboles sacrés. Donc ça, c'est un serpent. Je suppose que ça, c'est un symbole sacré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier devant le symbole sacré. Ensuite, je ferai preuve d'un grand mépris face aux ornements des anciens empires et protégera se dévouer dans le chaos. Donc, les anciens empires, c'est ça. Donc comment est-ce que je leur montre leur mépris? Ben, je leur crache dessus, hein, tout simplement. Voilà. Et je dois me protéger le regard des visions. Et là, il n'y a pas d'autre moyen que de le faire en anglais. Donc c'est Hide Ace, je crois. Non, Cover Ace. Voilà. Il n'y a pas de traduction française de ce geste. Donc tu, en français, tu peux galérer des heures à trouver ce que tu es censé faire parce que tu dois le faire en anglais. Alors, explorer le tombeau de Solomon Priest. Examiner la page défraîchie. Ah oui, évidemment, je peux pas la lire avec ça. Donc, en second lieu, donc, la raison de ces supercheries réside dans le fait que j'ai effectivement tué cet homme. Je l'ai empoisonné, comme les rumeurs le prétendent, depuis tout ce temps. Et comme elles continueront probablement à le faire, car en vérité, il s'agissait moins d'un meurtre que d'un martyr. Et quoique j'ai assumé ses fonctions, je l'ai fait en pure perte, et c'est de son nom qu'on se souviendra. Le bien restant dans son ombre immense. Depuis tant d'années que j'ai commis cet acte fatidique, j'ai fini par admettre que telle avait toujours été ma place légitime, et en cherchant à l'évincer, je n'ai fait qu'affirmer son assise à tout jamais. Le tiers savait tout de ma perfidie, j'en suis persuadé, bien qu'il fût resté à Londres. Et finalement, à prison que je rends mon dernier souffle, le voici qui vient aux Amériques, plein de projets pour l'ordre à New York. Isaac Fletcher, gouverneur de Kingsmouth, grand maître de la loge illuminée. Ok, why not? Je dois retourner à Kingsmouth. Ah, j'ai 7 pp. Les coups, j'en ai un peu rien à faire. Chaque fois que vous soignez une cible en la ramenant à plus de 80, vous obtenez un effet bénéfique qui augmente tous les soins directs. Ouais, pas très intéressant, mais il faut que je le débloque. Et un PC, je ne sais rien en faire pour le moment. Bon, on va sortir.
Bon, ça va, ça fera 40 minutes, quoi. En trichant. Ça m'énerve à tricher en plus devant vous comme ça, hein, mais voilà. Faut bien avancer. J'essaye. Désespérément. Mais les énigmes, c'est vraiment pas pour moi. Donc on a fini avec le prêtre. Et donc je me fais agresser à peine je sors de là. Un petit peu d'action pour terminer cet épisode. Waouh, et oh, je dis un peu d'action. On se calme. Oh, un pépé. Envoyer le rapport, ok. Quoi, tu bosses pour les affaires internes? Dans ce cas, permets-moi de satisfaire sans attendre la curiosité que tu pourras montrer au sujet de nos placards. Ils sont pleins de Maccabées. C'est rassurant. Mais il faut comprendre aussi, quand on s'est installé à Solomon Island, on en était à tout recréer, à se moderniser. Notre succès passait par une plus grande stabilité, une structure hiérarchique stricte. Et si ça a nécessité d'enterrer certains actes de jalousie, tu vois bien que c'était pour la bonne cause. Évidemment, certains faits historiques sont plus sensibles que les autres. Si tu entends parler d'un tiers dans cette affaire, fais de ton mieux pour l'oublier. C'est le genre de détail qui a de bonnes chances d'attirer l'attention des magiciens. Détail amusant, puisqu'on parle d'eux, les magiciens ne se contentent pas de pratiquer la magie. Ah, un message. Bon boulot, t'as vraiment assuré. Continue comme ça et tu seras dans l'équipe gagnante une fois le calme revenu. Ah, j'ai gagné un prestige chez les Illuminati. C'est cool. Bon, je vais arrêter la partie ici. J'espère que ça vous aura plu, hein, même si j'ai galéré et que j'ai encore triché. N'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser un petit commentaire et un pouce vert. Ça aide et ça fait plaisir. C'était Goro Gorcillon, en direct de mon playthrough de The Secret World. A bientôt pour la suite.